Donc parfois le copier-coller ne marche pas et ça vous fait un gros pâté noir quand vous collez dans Illustrator. Donc la solution c'est de faire un print screen, c'est-à-dire une copie d'écran qu'on va ouvrir dans Photoshop et recadrer. Et c'est là qu'on fera le copier vers Illustrator. Donc, je vous montre. Vous êtes par exemple avec cette image, imaginons qu'elle ne veut pas se coller correctement dans Illustrator. Donc, dans ce cas-là, vous appuyez sur le bouton du PC, sur le clavier, sur le bouton Print Screen. Donc, le bouton Print Screen qui ressemble à ça, ou alors il est indiqué vraiment Print Screen en grand, en entier, je veux dire. Vous avez un bouton Print Screen sur le PC. Ici, vu que je suis sur un Mac, je vais faire le print screen différemment. Ça se fait différemment sur le Mac avec les touches Command, Shift et 4. Au cas où vous seriez un jour sur un Mac, je vous montre malgré tout sur le clavier comment on fait un print screen sur le Mac. On fait touche Command et majuscule enfoncée en même temps. Donc ces deux touches-là. Et pendant qu'on a ces deux touches-là enfoncées, on enfonce le chiffre 4, une petite croix apparaît sur l'écran et on englobe complètement l'écran. On clique en haut à gauche de l'écran et puis on tire vers le bas à droite et puis ça fait un fichier sur le disque dur. Ici, vous êtes sur PC, si vous faites le bouton print screen, ça ne crée pas un fichier sur le disque dur. Ça a envoyé l'image quelque part dans les circuits de l'ordinateur pour faire les choses simples. Alors vous, sur PC, dans Photoshop, vous allez devoir faire fichier nouveau, directement cliquer sur créer, et vous faites édition, coller. Et ça vous colle la copie d'écran. Sur le Mac, je dois faire fichier ouvrir dans Photoshop et aller ouvrir la copie écran. Et là, à ce stade, voilà que vous soyez sur PC ou sur Mac, vous avez la même chose, vous avez la copie écran. Avec l'outil de recadrage, il faudra prendre les bords, là, voilà. Avec l'outil recadrage ici, prendre les bords et englober l'image qui vous intéresse. Pour ne garder que ça finalement. Et valider avec le petit V. Et voilà. Et cette image-là, il faudra faire menu sélection, tout sélectionner. Ensuite menu édition, copier. Et il faudra aller dans Illustrator. Je suis passé dans Illustrator là. Donc dans votre document Illustrator, il faudra aller faire édition, coller. Et là, ça devrait fonctionner. Donc vous avez la méthode pour le cas où l'image que vous avez absolument envie d'avoir ne veut pas se transférer par copier-coller directement du navigateur vers Illustrator. Il va falloir faire une copie d'écran, l'ouvrir, la coller dans Photoshop, recadrer, faire sélection, tout sélectionner, copier et puis venir coller dans Illustrator. C'est une petite manipulation qui n'est pas si compliquée que ça quand vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Je vous laisserai revoir l'enregistrement vidéo avec l'explication parce que ce serait dommage de se priver d'une image juste parce qu'il y a un problème technique alors qu'il est facilement contournable.